Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Ojoru tanku ni mercredi ojo kewa osu kerin odun tuntun ti awa ninu yi ohun ni awon muslimi agbaye won sodun ramadan to nje itunu awe ohun lo mu airse tv benin lati de ilu asupa oju pe ese pe bakana me ilu avranko senagan wo to de gabriel o fese kande idi ilu asupa lati wo bi won se fe ki ihun na agbaye je ka wo ihun kiki na die allahu akbar Allahu Akbar. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق وسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويا تجنبها الأشقى الذي يصلى نار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربك فصلى بل تحسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Baba wa Imam Nuruddin Adio o wa se wutuba fun gugu omo ilu Asupa e je ka gbo wutuba na die ayyamuna alaihim biqubuli zalika wa an yaj'alahum minar rahibin alama asilana dinana
الذي هو عصمة أمرنا وسيلنا دنيانا التي فيها معاشنا وسيلنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وعد علينا من بركات هذا اليوم وعد أمثاله علينا ونحن نتفهم بالإيمان والأمن والعافية لين وتبنا واسما موا إلو أفلان كلات بي أولوه أتي بابا وإمام إلو أشوبا أجيكا بون كانتون يفون علي وكوكا Nous sommes aussi le site de Idi de Achupa où la communauté musulmane d'Achupa s'est convergée pour célébrer la fin du Ramadan. Le conseil communal que nous présidons a fait de sorte que les élus communaux soient un peu partout sur le site de Idi. Et il m'est revenu en tant que premier citoyen d'être aux côtés de nos frères et sœurs musulmans d'Achupa. La joie était grande, c'est ce que nous avons lu. Et nous avons suivi les prêches du début de l'imam, du début jusqu'à la fin. Et nous avons noté que l'imam a beaucoup prié pour nous les politiques. L'imam a beaucoup prié pour sa communauté et nous saisissons de l'opportunité pour les remercier, les saluer, les féliciter et prier pour que leur prière puisse jaillir positivement non seulement sur la communauté musulmane d'Achupa et de la commune, mais sur toute la population d'Avrancourt et du Bénin. Nous avons suivi combien de fois l'imam est revenu là-dessus en priant pour son excellence le président Patrice Talon qui nous a permis de savoir que même loin de Cotonou, loin du palais, eh bien, notre président est porté par la communauté islamique d'Avrancourt et d'Achupa. Ça nous a émus. Et je crois que nous sommes heureux de ce que nous avons vécu. Nous avons profité de l'occasion pour dire un mot à la communauté. De combien de fois nous les portons aussi. De combien de fois l'envie nous étreint de régler toutes leurs doléances. Notamment dans Achupa ici, le problème de voix et autres. Mais nous devons retenir qu'un effort est fait. Parce que présentement nous sommes en train de faire l'ouverture des voies. Et la communauté l'a accepté. Les populations l'ont accepté de sorte que depuis que l'ouverture de voie a commencé dans Achupa, il n'y a pas de bruit. Au contraire, les témoignages sont éloquents et nous voulons prendre part ici pour les remercier, pour les féliciter. Nous avons d'autres besoins que, tels que l'eau que le gouvernement de Patrasson a essayé de régler. Les questions de santé que le gouvernement attend de régler. Ce qui reste présentement et pour lequel la population attend, c'est la voie Carrefour d'Agbeoué, Mwendogi, Achupa. Et nous avons l'assurance, une fois que cette voie est déjà dans le péager et fait l'objet déjà eh bien, de passation des marchés publics, ça ne tardera pas à commencer. Donc au nom de la population, au nom de cette communauté, nous remercions sincèrement eh bien, la communauté musulmane. Nous remercions le président, son excellence Patrice Talon. Qui a l'ongé comme l'eau ici? Il y a un job bénin. Aïcha doit faire. Il peut que l'on va faire un job bénin. Quand tout le job bénin, je fais un Dubaï. Il y a un job bénin. Quand l'on va dire qui peut que l'on va faire un job bénin. C'est le job bon ben on se dit au camp ni nous à un pays international là bas hein tout vida à deux là je vous le job à Bénin quoi dire quand tu es capable de bailler mon pays vous d'adani alors bas yo bas on l'ouvre alors bas je suis d'adap pour moi parce que je dois chercher une meilleure ibai au camp là je n'en mets à tini Harry au camp là je n'en mets à tini on y fait cela aussi ni fait ça quoi vous boire tu vas dire c'est tout
ni apojuwe anile eko kan tin je centre islamique anaja agbe oro wa lo sodu e nipa oro ile kia kia oni kan ba se won si ba se ran o fi mo pe offeran islam ni lu afranku olohun si mo feran ti e na olohun mo be po lohun na olohun mo be po lohun na gbogbo gbese kokan to ba gbe bayi olohun mo be po du e emi gungun olohun o fun de mi gungun awon mo e yo ye johun na papa lo olohun gba du e so d'abord les remercier et les féliciter à nouveau et souhaiter que la veille citoyenne au niveau de la communauté musulmane puisse poursuivre, que nous continuions pas à éduquer ensemble la population et que les œuvres de civisme, les œuvres de recouvrement que nous sommes appelés à faire ensemble pour pouvoir permettre à notre communauté de prendre en charge certains investissements sur les ressources propres, que la communauté musulmane puisse y participer. Et j'ai vu que la prêche de ce matin en a parlé et je crois que nous sommes en harmonie. Donc c'est ce que nous allons les féliciter et souhaiter qu'ils continuent toujours dans cet esprit pour que nous puissions mener une vie communautaire, une vie d'ensemble pour l'avancement de notre commune. Merci beaucoup à la communauté musulmane et que les prières jaillissent sur nos populations. Je vous remercie.